Et shalom, 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 bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Soyez le bienvenu encore en cette année 2023, bien-aimés. Eh bien, je suis le pasteur Muller Malonda de l'église Calvaire Centre Chrétien pour ceux qui me suivent pour la première fois. Oui, bien-aimés, l'Éternel nous a gardés, l'Éternel nous a protégés, l'Éternel a permis que toi et moi, nous puissions traverser 2023. Nous sommes là, bien-aimés, en 2023. Voilà pourquoi j'aimerais profiter de cette occasion d'inviter un enfant de Dieu et spécialement les enfants de Calvaire Centre Chrétien. C'est dimanche, ne reste pas à la maison, bien-aimés, parce que c'est dimanche, nous avons un culte spécial d'action de grâce où nous allons dire merci à l'Éternel. Nous allons dire matondo, matondo, matondo. Je pense que la chorale est bien préparée. La chorale va nous préparer la chanson de matondo parce que nous allons dire simplement merci à l'Éternel. Merci à l'Éternel, lui qui a permis. Mais je sais que le premier, nous avons prié. Je sais que le premier, nous étions là tous ensemble. Waouh, waouh, waouh. Quelle présence de Dieu. Au-delà d'être un réveillon bien-aimé, nous avons passé le bon moment dans la présence de l'Éternel. Mais encore une fois de plus, nous serons là. Nous serons là les dimanches et nous allons prier avec ce culte d'action des grâces. Et directement, le lundi matin, nous commençons notre jeûne et prière de 21 jours. Jeûne et prière de 21 jours, dénommé Commander l'Aurore. Commander l'Aurore. Nous allons commander 2023 de le début, afin que tout ce que nous allons faire puisse réussir. Alors, j'aimerais t'inviter de ne pas manquer ce dimanche. À partir de 12h45, le culte commence. L'adresse est là, bien-aimé. Et si tu as besoin de transport, n'hésitez pas à appeler à ce numéro. Le chargé de transport va s'organiser pour que vous puissiez venir nous joindre. Et le lundi, nous commençons notre jeûne et prière. Comme d'habitude, 5h45, nous sommes en ligne. Et cette fois-ci, 19h, j'ai dit 19h, nous sommes en ligne le soir. Donc 5h45 et 19h, comme ça, ça permet tout le monde, ceux qui travaillent, de quitter le travail, d'être à la maison et ensemble, nous puissions prier. Parce que 18h a causé un peu de problème et nous mettons cela à 19h pour permettre le plus grand nombre de personnes d'être connectées. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. On va se retrouver les dimanches. Allez, ciao, ciao.